Alors. Allô? Reprendre partie, peut-être? Oui, non? Ok. Bon. Alors, il faut que je vous explique en fait quelque chose. J'ai regardé un peu ma rediffusion. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais totalement débile. Jusque-là, pas de problème. En fait, je suis arrivé par ici. Et j'ai fait les trucs des plaques d'immatriculation. Au hasard, en fait, je les ai toutes traduites et après je les ai rentrées. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu en fait d'un truc. Et je l'ai vérifié après sur internet, c'était bien ça. En fait, il fallait que je prenne le portail de derrière pour arriver par là. Et arriver ici. Bah oui, je suis débile, j'ai dit que j'avais pas le code. Mais en fait, si on l'a le code. Le code, c'est ça, c'est 406. On l'a pas utilisé. Et en fait, normalement, j'aurais dû arriver de l'autre côté. Rentrer le code 406. Pour ouvrir la porte, accéder à cette zone-là, pour ensuite, oh là là, il y a des objets, regarder la boussole, m'apercevoir qu'il y avait écrit Arizona au dos, et de là me dire en fait que du coup, avec la plaque d'immatriculation qui était à côté sur la table, comme vous pouvez le voir ici, que du coup c'était la plaque Arizona qu'il nous fallait. Donc Minnesota, Pena, Florida, Canyon, New York, Road, Colorado, c'est lequel? Arizona. Je sais pas c'est lequel. Ah bah là, Arizona. AL9 742. Et du coup, de la traduire avec les lettres par rapport à le truc téléphonique qui est rentré là-haut. Et pas le faire comme un gros débile que j'ai fait. Bon. C'est pas grave, mais c'est débile quand même. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce qu'il a dit qu'il fallait qu'on relie les armes entre eux. Donc effectivement, on les a reliées. Enfin, on a allumé un arbre. Après, il a dit les arbres, donc j'ai pas trop compris. Et là, maintenant, j'ai plus trop de projets en tête parce que, bah, évidemment, bon, il y a toujours la grosse boule grise là. Je sais toujours pas à quoi elle sert exactement. Mais à part ça, n'y a pas plus, pas moins de projets. Enfin, je check juste un truc. Ok. Non, franchement, je sais pas là. Parce que du coup, on a fait pas mal de choses, on a rempli pas mal d'objectifs. Mais j'avoue, ne pas en savoir plus. Alors, oui, on avait accédé aussi au sous-marin. Il y avait un sous-marin russe qui s'est fait slasher, découper et amener dans la mine. On a vu qu'il y avait un accès. Donc, à mon avis, quand on ouvrira la porte, à mon avis, à un moment donné, avec. L'autocar, on pourra accéder du coup à ce qu'il y a au-dessus. Pour l'instant, on ne sait pas. Et là, moi, du coup, bah, je sais pas. Alors là, voilà. C'est ça aussi, c'est que j'étais pas allé par là. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok. Je crois que mon chat il gratte à la porte alors que j'ai tout de démarrer live. Attendez. Ok. Le chat qui faisait des siennes encore. Donc on n'était pas allé par ici. Effectivement, ça ne me parle pas du tout. Heureusement que je regarde ma rediffusion. Parce que si je regardais pas ma rediffusion, je pense que je resterais bloqué comme un gros demeuré. Un gros demeuré. Donc heureusement que j'ai fait des pauses. Du coup, on est derrière. On est. Ah ouais, d'accord. En fait, ouais, voilà, il y a la tour. Et en fait, on est de l'autre côté. D'accord, donc c'est vraiment une zone où j'étais pas encore allé. Sachant que y a là-bas il y a la mine qu'on a débloquée et on n'a jamais pu aller sur l'autre rivage. Et on a la grosse boule grise aussi, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on est censé en faire. Bon, par contre c'est impressionnant du coup de voir au loin le fait que ça s'est fait téléporter, t'imagines, paf, ça arrive d'un coup. C'est stylé en vrai. Avec les différents signaux. C'est stylé, j'aime bien voir du dessus là. Tu vois la forme arrondie de savoir que ça a été téléporté de façon violente. Donc du coup ça mène à ouf. Oh, c'est une grosse boule grise. Ah ouais, il y a un appareil. Ah oui d'accord, on arrive là. Ah donc là on débloque un raccourci à nouveau. Et là ça c'est encore une téléportation. Alors,
Cet appareil-là, on en avait trouvé un, mais on ne pouvait pas faire grand-chose, qui était tout là-bas, de souvenir. Ouais, tout là-bas, ici, là. Et on pouvait pas. Enfin, en gros, il nous amenait aussi sur un monde, mais on n'avait pas d'accès. Il y avait juste une porte extraterrestre et pas plus, pas moins. Donc là, dans quel monde ça va nous téléporter ça? D'accord, donc c'est à nouveau un raccourci. Nice. D'accord. Je réfléchis. On a la boule grise, on a la mine où j'ai pas encore pu accéder au rivage. Voilà, je suis débile. Et il y a ce qu'il y avait au-dessus du sous-marin russe qu'on pouvait pas accéder parce que bah on n'a pas l'accès au-dessus. Mais à un moment donné, c'est là où est l'autre WS. Je sais plus son nom. Mais à part ça, je crois qu'on a à peu près tout rempli. En vrai, on a bien clean le jeu. Et j'ai regardé, on est à la moitié à peu près. Après, ça veut rien dire si je suis débile et que je cale, voilà. Donc on est à nouveau sur une autre planète. Alors beaucoup plus rocailleuse et là il y a... D'accord, rien. Ok, il y a des hiéroglyphes. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Absolument rien. C'est très bizarre, on a l'impression qu'il y a deux mondes. Non? Regarde comment c'est découpé. C'est très... Regarde, on a l'impression que tu sais qu'il y a une séparation entre les deux. Très strange. D'accord. Cela servait totalement à rien. Ah ouais. On va peut-être pour faire tourner ça, pour accéder à ça là-bas, peut-être. Ah oui, même carrément, en fait. Ah ouais, il y a des choses et tout. Oh, il y a un faisceau rouge. Ah, mon il doit y avoir plein de trucs. Attends, quoi? Je peux rien en faire ici? Ah, si, là. D'accord. Bah, j'apprécie d'être arrivé ici, du coup. Je peux rien faire. La manivelle, peut-être? Ah, ouais, la manivelle. Ok. T'as fait des choses. Ah. Incroyable. C'est quoi ça? D'accord. À l'aide? Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, d'accord. Ah oui. Oh là. D'accord. Alors, montre juste quelque chose. Donc là, il revient là. Par contre, du coup, on a un accès à ce qu'il y a là-bas, non? Attends, juste vérifier. Parce que là. Ok, donc là, il y a un chemin. Ah, quoique, ouais, non, on peut rien en faire. Attends, je vérifie, mais non. Parce que là, en fait, on arrive au niveau. Ah, si, on peut peut-être se TP. Oh, oui. Ok. Donc en fait, à mon avis, comme le monde où on était un peu style canyon western, à mon avis, il devait y avoir un biome de jungle. Et pareil, il y a une sorte de grand canyon de pierre qui s'est téléporté dans ce monde-ci. Et c'est pour ça que la séparation, elle est étrangère. Là-bas, il y a... Ah bah, c'est une des espèces qu'on a découvertes. Enfin, qu'ils ont découvert. Donc il y a un moyen de TP. Oh. Bonsoir. Ils disent rien. Ok, donc il y a un autre passage derrière, là d'abord on va aller devant. Ah mais on dirait la même sphère en pierre que ce qu'on a vu mais un peu destroy. Très bizarre aussi ce monde. Hein. Apparemment du coup la pierre viendrait de ici. La grande pierre ronde. Ah ouais bah ouais, carrément même. Il y a les mêmes palourdes, les mêmes... Les mêmes objets, les mêmes trucs là, je sais pas comment t'appelles ça. Ok, on arrive près d'une cité.
Oh, waouh. Ok, donc il s'est passé des choses ici, clairement. La musique qui s'emballe. Avec la brume, on voit pas grand-chose. Il y a l'air d'avoir un délire de poisson, hein. On voit des formes de poisson partout. Ah ouais, donc là, c'est vraiment, par contre, beaucoup plus accessible que l'autre zone qu'on avait débloquée. Et là-bas, il y a quoi? Une grande machine, je grimpe dessus, écoute. Hein. C'est très très strange. Matière à se poser des questions quand même. Je peux rien faire ici, hein. C'est à mon avis, il y aura quelque chose qui va être amené. Parce qu'à mon avis, les chaînes ne sont pas anodines. Ok, on va aller voir. Ah ouais. Ah mais c'est... comment dire? C'est... le rond... le rond qu'on a vu dans une des maisons là qui s'est fait creuser, qui s'est fait choper. Et en fait c'était genre juste la suite. Ah et tu... Ah mais oui d'accord. Et là on peut repartir avec... Oh je vois. Et là c'est peut-être le... Non ça c'est le monde où on était hein. Ah, ou alors il y a un autre arbre ici, du coup. Par contre, du coup, attends, parce qu'on peut ramener en fait ça à son point d'origine, mais. Parce qu'il y a un mais. Moi, j'ai pas envie de partir maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose à fouiller? Il y avait quand même un endroit où on pouvait se TP aussi. À ne pas négliger, je pense. Je peux interagir avec rien. Alors, ok. Alors, avant de se téléporter et d'aller faire des trucs malsains, parce que le problème c'est que du coup, j'aimerais utiliser ce téléporteur-là une fois que j'aurai tout fouillé, une fois qu'on est d'accord qu'il n'y a rien à faire d'autre. D'accord, là on n'arrive pas ici. Alors, où mène ce truc là? Puis il y a des chemins et tout, tu te dis on va pouvoir faire quelque chose à un moment donné, puis on est toujours bloqué. On est toujours bloqué. Ouais. Bah je réfléchis, y a rien à faire en fait, à part utiliser le téléporteur, la terrain de meilleur. Ah pareil, on peut voir où ça me téléporte. Bah là en fait, ouais, à part aller voir... Ah là, il y a peut-être quelque chose. Salut Pikachu, comment va-t-il? Comment il va? Donc, vous venez d'où nous? Vous venez de là? Non, vous venez d'en bas. Là, ça monte ailleurs. Quoique. Je réfléchis, c'est nouveau ça. Ok, donc c'est vraiment une nouvelle zone. Eh bah écoute, il va bien, bah c'est parfait ça. Donc il va bien. Par contre, ces grosses installations, là, je sais pas ce que ça représente, mais. Ok, et lui il s'est écrasé au sol. Eux ils font des bruits bizarres. Il y a vraiment rien à faire dans cette zone, c'est un truc de ouf. Genre tu peux fouiller de ouf, il n'y a aucune interaction à faire. Ça me... Je sais pas, genre, je trouve ça vraiment assez étrange. Connais-tu ce jeu Pikachu? Je pense pas. Je pense pas que tu dois connaître.
Obduction de son nom. Waouh. Ah! Oh! Ah! Oh, ah! Alors, il y a plein de boutons. Il y a du russe. Okay, il y a un bruit un peu bizarre. Non! Quel est le but? Eh bien, c'est un puzzle game. Le but étant de résoudre et de comprendre là où on est et comment sortir finalement. Et donc pour remettre en contexte un peu l'idée, c'est qu'en gros on a été téléporté par une sorte de graine volante dans un monde, une autre planète, où sur cette planète-là d'autres humains ont aussi été téléportés. Il se passe quelque chose à chaque fois ici. Un bruit un peu bizarre, un truc qui charge. Et en fait, donc là c'est pas notre monde normal, là on est encore dans un autre monde que je viens de découvrir. Et en fait, si le monde où on est arrivé, c'est lui-même un morceau de la Terre, un morceau on va dire, de canyon de Far West qui a été téléporté. Et où d'autres humains, du coup, sont arrivés aussi. Et ont fondé une ville. Sauf que nous, quand on y est arrivé, et ben en fait, il y avait plus personne, sauf une personne, bien évidemment, séquestrée dans sa maison. Et qui nous demande de faire certaines choses parce qu'en gros, ils étaient en guerre face à une autre. Une autre espèce extraterrestre. Alors je fais des trucs, on sait pas trop quoi. Ok, on tourne les palmes. Ok. Non, donc ça, il faut vraiment l'activer pour que. Donc là, on a activé la ventilation, on a activé des sortes de bras. On a fait des choses. Et alors là, il y a tout un tas de trucs. Moi, j'ai envie d'appuyer partout comme un gros débile, en fait, hein. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je pense qu'il faut allumer toutes les lumières. Putain, il manque encore la 5. D'accord. Alors là, ok, donc en fait, je pense que le but est d'allumer tout. Moi, je touche à tout comme un gros débile, hein. Dire à un enfant. Je suis incapable d'arriver à allumer le. Il n'y a que le 5 qui s'allume pas. Hein. Oh, ah. 7, 7, 5, 4, 5, 5, 4, 3. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et à mon avis, il faut toutes les allumer, mais il y a juste le 5 qui s'allume pas, quoi. 7, 7, 5, 3, si ça se trouve, ça c'est la technique pour pouvoir tout allumer. Mais alors là, comment me direz-vous? Je ne sais pas.
4-3. Ah mince, je me suis planté. Ah mais non, c'est ce qu'on marque là. Bah je sais pas. On n'a pas eu de code ou de chiffre ou quoi que ce soit. Hein. Je sais pas. C'est étrange. Alors là, j'avoue ne pas avoir de solution pour ce qui se fait ici. On a quand même réactivé une machine. Qui sert pas à grand chose globalement. Et là. Ah! Ah! Ceci me fâche un peu. Je ne peux donc pas avancer. Alors là, il y a un code à avoir, mon pote, mais. Ou qui, comment, je ne sais pas. Attends, mince. Plus de plus près. Ok. Bon, il y a quelque chose à faire ici, mais je ne sais pas quoi exactement. Donc je le prends en photo. Là, on a activé ça, je ne comprends pas non plus. Quel est le but? Ah, mais si ça se trouve, en réactivant ça... Ouais. Il faut peut-être allumer toutes les lumières, mais il y a juste le 5 en fait qui s'allume pas. Hein. Je crois pas avoir d'autres. On n'a pas eu d'autres indices, je crois, pour ça. Hein. Ouais, c'est un puzzle game. Ah, 7, 6, 8 peut-être. Ouais, non, bah non. Non. Bah par le 7, 6, 8, ouais, non, je sais pas. On va revenir en arrière. Alors, on a deux choses encore à faire. On a la téléportation sur la paroi et on a aussi le fait de pouvoir revenir dans notre monde initial depuis un autre téléporteur. Donc, pas celui qu'on avait pris, mais un autre encore. Donc, je me dis pourquoi pas. Moi, c'est d'abord la paroi parce que du coup, elle va nous amener, je pense, à un autre endroit de ce monde. Il y a juste ça. À mon avis, il y a. Soit il faut allumer toutes les lumières, soit il faut rentrer un certain nombre de chiffres. En tout cas, il y a un truc à faire. Je comprends pas encore. Ou voilà, si ça se trouve, il y avait un truc à comprendre, puis j'ai pas compris parce que je suis débile. C'est probable aussi. Donc là, on a le téléporteur ici. Mais moi, avant de repartir de ce monde, alors on peut voir qu'il y a eu d'autres choses qui ont été téléportées de d'autres mondes. Hein. Là, tu vois, la sœur et tout qui s'est fait TP. Et donc ça, en fait, ça c'est un autre monde. Donc en fait, tout ça, c'est un. On va dire que tout ce grand canyon de pierre s'est fait téléporter. Bah là, tu vois, pareil. Ça aussi, c'est un truc qui s'est fait téléporter. On voit. Et à la base, en fait, c'est une sorte de biome de jungle. Si je puis dire ça comme ça. On va juste checker voir s'il y a autre chose. Pendant que toi, tu réfléchis à un jeu où il faut jouer, moi, je joue à Mario. Écoute, à chacun ses préférences. Ah non, je peux pas me téléporter? Ah mais ça se trouve, il y a... Oh, ça se trouve, il faut aussi désactiver un laser rouge qui maintient un dôme. Et là, il y a toutes ces petites blessures. Là, du coup, on va utiliser le téléporteur. Puis on va bien voir ce que ça fait, ce que ça nous donne de nous téléporter. Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. C'est quel Mario que tu joues? Là, c'est une bonne question ça. Moi, alors, Mario, j'ai peu joué, vu que... À part sur DS, mais sur Switch, pas trop. Ok, ouais, non. Ah, mais ouais, mais regarde là. Putain, mais ouais. Mais il y a carrément un laser rouge. Oh, mais attends, parce que du coup, c'est un laser rouge.
Pour le désactiver, il nous faut... Ah, je viens de comprendre. Ok, je crois que je viens de... Ouais, il y a des rails. Oh, va falloir amener le wagon. Avec... Donc en fait, il va falloir amener le wagon qui a le laser bleu. Pour pouvoir désactiver ça. Ah ouais. Super Mario, man. Je veux. Ah oui, tu as essayé de toutes les finir. Voilà, vache. Et tu m'étonnes que c'est long. Je veux bien croire. Courage à toi. Du vieil presque encore quelques centaines d'heures et c'est bon. Quelques millions d'heures. MDR. Ok, on est retéléporté ici. Donc du coup. Ah ouais. Stylé. Et en fait, ça, je pense que ça, c'est la carte du monde où on était, tu vois, avec là, en bas. Et donc là, en fait, il va falloir amener maintenant le wagon ici. Oh la vache. Pour que quand on se téléporte, on soit pile en face du laser rouge et bam, on déglingue le dôme protecteur. Et comme ça, on peut saucer. Oh là là, le truc de ouf. Par contre, ouais, il est là-bas, le truc. Alors, attendez. No way. La grosse blague. Et ici, il n'y a pas de rocher, il n'y a rien. Non, il n'y a rien à dézinguer. Ok, bon, on avance. Petit à petit, hein, mine de rien, ça... Ça se fait, hein. Ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, là où on est, le sorte de canyon un peu far west, parce que moi j'ai vraiment, tu vois, qu'on est un peu far west. En fait, c'est un gros dôme qui, un gros biome qui s'est fait téléporter. Et après, petit à petit, en fait, il y a eu d'autres gens et d'autres choses qui se sont fait téléporter, un peu comme t'as vu, comme je me suis téléporté, mais en mode plus gros. Donc, à un endroit, tu vas avoir un garage, à un autre endroit, tu vas avoir un truc avec un train. Et en fait, tout ça, ce sont des gens qui se sont fait téléporter comme nous. Et en fait, apparemment, c'était prospère. Sauf qu'en fait, il y a 2-3 autres espèces extraterrestres aussi qui ont été téléportées. Et apparemment, ça s'est mal fini avec une espèce extraterrestre. Et à part un tocard qui est enfermé, donc là-bas, derrière une porte, et à qui on peut parler, qui nous donne des instructions sur ce qu'il faut faire pour la suite du jeu. Et ben, en fait, on essaie de découvrir et de savoir ce qui s'est passé petit à petit et de résoudre finalement les énigmes qui nous sont proposées. Jusqu'à aboutir à une fin où je pense qu'on arrivera enfin à sortir d'ici. Alors le problème. Ah oui d'accord, il y a carrément un bouton. Ok. Largement. Et donc en fait, t'as toute une histoire un peu complexe. Après moi, je serais pas à te la réexpliquer parce que bon, il y a une histoire de graines, de téléportation et bon, tout un truc. Après, faut regarder les rediffusions. Moi, je te conseille pour mieux comprendre. Et je te conseille de les regarder parce que les diffusions est une qualité incroyable. Donc là, en fait, du coup, on se retrouve ici. Alors, il faut bien qu'on se cale. Ok. Tiens, je peux pas plus. Et évidemment. C'est bon, on est totalement bloqué. C'est moi, ça ne fonctionne pas du tout là. Ah. Ah, le dôme est en train de péter.
Donc là, on a pété le dôme. Maintenant, on retourne du coup dans le monde initial et on va se re-téléporter. Mais cette fois-ci, on pourra du coup se coller à la paroi pour se téléporter quelque part autre dans ce monde-là et peut-être découvrir un peu la suite. Alors, il y a toujours bah, évidemment le panel avec les chiffres et tout à faire que je n'ai pas compris. Parce qu'il a dit en fait qu'il fallait connecter tous les arbres. Donc, de ce qu'on voit, c'est que nous, notre arbre à nous, il est allumé. On a mis l'eau sur l'arbre. Je réfléchis en fait. On a mis l'eau et maintenant en fait, il y a trois portails qui se sont activés. Et si ça se trouve, les trois portails, c'est trois mondes. On sait qu'il y en a un autre qu'on ne pouvait pas plus interagir avec parce qu'il y avait une porte qui nous bloquait. Il y a ce monde-ci, si ça se trouve, il y a peut-être un troisième téléporteur d'un troisième monde avec du coup le troisième arbre à reconnecter. Et donc du coup, un total de 4 arbres, un total de 4 mondes. Ça va péter! Péter! Exactement. Je sais pas si on va voir Alessio ce soir. S'il est encore en stage à la crèche, on va peut-être le voir qu'après. Trajou, je sais pas si on va le voir, je suis en train de réfléchir. Il est 20h, ouais. Peut-être un peu plus tard dans la soirée. Ok. Parce que là, tu vois, on voit bien que tu vois qu'il y a un arbre. Donc nous, on serait ici, avec le point rouge. Et donc là, en fait, ça serait le pont. Ça, c'est la grosse machine qu'on a remis en route, en passant par là. Et du coup, l'arbre serait derrière. Et nous, on peut donc du coup utiliser une paroi donc, qui est ici pour se téléporter. Donc je sais pas, soit ici, soit là. Alors attends, on va prendre en screen d'ailleurs. Donc c'est ça en fait, je pense que le délire en fait il est là. Le délire c'est qu'en fait quand il nous dit qu'il faut connecter tous les arbres ensemble, c'est qu'en fait il y a différents mondes avec donc chacun un arbre. Et du coup bah c'est les fameux arbres avec les fameuses graines, hein. C'est ça en fait qui produit les graines qui a téléporté toutes ces choses ici. Et donc du coup en fait il faut tous je pense les réactiver. Jusqu'à... Et puis du coup c'est notre objectif actuellement. Donc là du coup maintenant on va aller voir un peu. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que là, il n'y a plus de dôme, mais du coup, maintenant, on va savoir est-ce qu'on peut se téléporter. J'aime bien, en vrai. Les puzzle games comme ça, je trouve ça fun. J'en ferai pas tout le temps, évidemment. C'est pas forcément ce qui plaît aux gens, même si moi, j'aime bien. Mais bon, pour avoir testé Myst, et ça, c'est du même studio, ça, c'est cool. Puis bon, comme je les ai gratuitement... Autant le tester. Voilà. Alors. Ah, tu vois la coupure nette, quoi. Elle est violente. Et donc ici. Je me demande si on n'est pas de l'autre côté, du coup. Genre. Attends, montre la carte, du coup. Que j'ai pris en photo. Je pense qu'on est arrivé là. Et là, en fait, ça, c'est le chemin entre les deux. La supposition est supposée. Et je peux pas faire plus. C'est une blague. Alors, si ça se trouve... Ouais, tu vois, pour moi, tu en es... Ouais, j'ai fini Star Wars Fallen Order. Il y a la rediffusion sur ma chaîne YouTube qui arrive là. Il y a le premier épisode qui est sorti aujourd'hui, si tu veux regarder. Tu le connaissais toi, Star Wars Jedi Fallen Order? Là, je suis embêté, je peux pas interagir avec. Donc si ça se trouve, en fait, il faut remettre en place la grosse machine qu'on a vue. Ah, et puis le chat qui va à la porte, là. Je suis satellisé, ce chat. En fait, je viens de me demander si, du coup, la grosse machine avec le panel, en fait, il faudrait pas le remettre en route. Ah, t'es bloqué au tombeau. Le tombeau. Avec... Attendez, je vais juste fermer la porte. Voilà. Tu
l'intérêt de dormir. Si je ne dors pas, le chat, je te satellise. Hop, regarde, il y a un avis. Tu parles avec... Non, 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 le chat, tu forces. Bon, je vais mettre le cas-porte. Ok, bon, j'ai mis un cale-porte devant la porte pour éviter qu'il m'emmerde parce que sinon elle va me refaire le même baratin qu'hier soir. Elle va sortir 3-4 fois d'affilée, elle va me casser les noisettes. Donc là j'ai bloqué la porte comme ça, elle pourra gratter à l'infini, elle ne s'ouvrira pas. Et donc du coup c'est le tombeau, là où il y a le fameux... comment ça... C'est Datomir, c'est ça? Avec les prêtresses de la nuit. Et l'autre vilain de Sith là. Avec qui tu te bats. Ouais d'accord. Mais du coup, t'es bloqué à quoi sur le tombeau? Je comprends pas. Qu'est-ce qui te bloque? Là, il y a un escalier. Les trois tombeaux. Avec les boules. Ah, ouais, d'accord, à cet endroit-là. Waouh. Ah oui, ouais, il y a, oui, effectivement, il y a un truc à résoudre. Oh, j'avais pas vu ça. Ouais, alors... Je sais que j'ai passé un peu de temps aussi, j'ai un peu bugué, moi, dessus. C'est quoi qu'il faut faire avec ça, là? C'est quoi, ce truc? Effectivement, il est un peu relou. Ce passage-là. Après, ça va, ça se fait de souvenir. Mais qu'est-ce que je suis censé comprendre, non? Alors là, j'ai pas vu. Parce que là, en fait, l'objectif, je pense qu'avec ça, là, en fait, on peut réactiver, réattacher, en fait, les 4 pour qu'en fait, les machines fonctionnent à nouveau, hein. Et pour pouvoir accéder à tout ce qu'il y a dans la zone. Mais le problème en fait c'est cette machine là en fait. Et je crois pas qu'il y avait d'autres indices. Attends, je vais vérifier. Tu sais. Non parce que là de toute façon on a juste une carte. Hein. Mince. Allez, marche. J'avoue ne pas trop savoir. Hein. Je réfléchis. Parce que... Qu'est-ce que... Quoi? Parce que du coup, on a... En fait, il y a juste une lumière en fait qui s'allume pas. Hein. Et pour moi, c'est cette lumière-là qu'il faut arriver à activer. Je pense que pour moi, la solution, elle est là.
Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'allume pas et comment l'allumer? Parce qu'on a différents boutons qui allument de façon totalement différente et avec un certain pattern les autres lumières. Mais ça ne nous aide pas plus. Je réfléchis, on n'a pas eu d'autres infos hein, avec ça. C'est un peu bizarre. C'est pété. On a ça aussi. Je comprends pas à quoi il sert ce truc-là. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, tant que ça c'est pas activé, en fait, là-bas, ça pourra pas marcher. Parce que du coup, effectivement, ça ne fonctionne pas. Je tente quand même parce que je suis débile. C'est une frustration. La vache, le trou, toi. On va vérifier qu'on a bien tout activé. Mais ouais, de toute façon, ouais, parce qu'on a activé le ventilo. Et ouais, non, mais non, parce qu'il y avait que deux manivelles. Pour moi, la solution, elle est là, mais elle est incomprise actuellement. C'est étrange. Puis moi, je pensais, tu vois, qu'on allait pouvoir interagir, mais finalement, non. Pour moi, de toute façon, la solution pour moi elle est là. Hein. Attends, je vais éviter les photos. Réflexion. Parce que là, en fait, on peut accéder à rien tant qu'on n'a pas activé en fait ce gros, cette grosse turbine. Hein. On n'aura accès à que dalle. Non, mais il nous manque. Ouais. Je sais pas. Il y a deux éléments là qui sont incompréhensibles pour l'instant. Ça me perturbe vraiment. Oula, quoi? Ah. Attends, c'est. Ah d'accord. Mais j'y étais pas du tout du coup. Ah oui, d'accord, ça peut activer que. Ah ouais. Donc tu peux activer un côté ou l'autre quoi. En gros.
Ah bah non, ça les a tous activés. Bon alors du coup, rien à voir avec la machine. Putain, j'ai pas fait exprès en plus, j'ai juste voulu tourner le truc et puis il me l'a fait. En fait, c'est juste parce qu'en fait, l'angle d'inclinaison était un peu bizarre. Ok. Bon, pourquoi pas. Donc là maintenant, ça, c'est censé fonctionner. Donc, on va faire ce qu'on a là. On va aller voir ce que ça nous mène. Dans les profondeurs, apparemment. Je peux pas avancer, je peux pas bouger. Je vais tourner la cam. Ah, d'accord. Ça ramène au point initial. Ok. J'aurais dû m'en douter. Je peux pas l'activer là. Alors du coup, maintenant on peut réutiliser la TP. Ah merde. Et utiliser le... le transporteur là. Voilà, là maintenant ça marche. Incroyable. Amazing. Comme on dirait dans son bon François. Ok. Donc effectivement, tu vois, nous on avait la petite sphère là, et là du coup on est en train de se déplacer. Là-bas, alors pourquoi aller jusque-là alors qu'en fait on pouvait déjà faire, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra avoir accès à une autre zone peut-être. Un raccourci. Oh le bruit que ça fait. Ah mais oui d'accord, en fait en faisant ça, on a bougé la cage, en fait il y avait une sorte de grosse cage en métal qui nous bloquait le passage. Et en fait du coup quand on est là je comprenais pas, j'étais à mais bizarre en fait tu vas ici mais ça sert à rien. Sauf qu'en fait maintenant qu'on a déplacé le chariot d'un point à l'autre, en fait on a déplacé, en fait on a interchangé le chariot et la cage. Et du coup maintenant il n'y a plus de cage en bas, donc du coup on a un accès à ce qui se situe de l'autre côté. Parce qu'ici, du coup, le passage était bloqué. Non. Bon, tant pis. Je vais supprimer après. Et j'ai voulu sauter. J'ai oublié qu'on pouvait pas. Ok, il y a un truc très bizarre ici. Là, ça, c'est un temple poisson, en fait. J'ai l'impression que c'était un temple genre sous-marin, tu vois. C'est trop bizarre avec tous ces effigies de poissons partout là. Là il y a encore un truc, une sphère bizarre. Il va manger, bah écoutez, bon app. Et puis bah à tout à l'heure j'espère. Hop, waouh. What the fuck. Il y a un gros squelette de je sais pas trop quoi. On dirait ces machins là mais genre en géant là. Tu vois ça avec toutes ces petites palourdes et tout, tu vois, t'as l'impression que ça c'était sous l'eau.
Ok. Ah oui, d'accord. Nous, on était de l'autre côté, là. Nous, on est passé par là. Ok. Je vois l'idée. Oh la vache, il y a un téléporteur là. Alors attends. On sait qu'il y a un autre téléporteur ici. Faut aller vers un autre monde. Ça part un peu dans tous les sens là. Encore des poiscailles. La musique qui s'emballe. Je t'avoue que ça fait beaucoup de choses là. On voit des animaux qui volent là à côté. Non? Ok. Donc là, attends, pour être sûr en fait de ce qu'on a fait. Donc, nous on a utilisé ça pour arriver ici. On a pu du coup de redescendre en bas, clac clac, arriver ici. Sauf que là, du coup, il y avait peut-être un truc, mais alors je suis pas allé voir à cet endroit-là. Et moi, je suis directement parti là. Pour arriver finalement là-bas. Et là, donc du coup, il y a un téléporteur là. Et là, du coup, ouais. Bon, on va voir. D'accord. Je me suis douté. Ah, la différence que ça, du coup, bon, il est plus. Ah, Alessio! Le voici, le voilà! Et effectivement, le stage, bravo, félicitations, tu l'as enfin terminé. Ce magnifique et superbe stage. Ah, le décor. Qui, je le pense, tu l'as beaucoup apprécié. Du coup, je vais pas te demander comment tu vas parce que je pense que tu vas très très bien. Ils m'ont évalué très bien. Bah, y avait intérêt, hein. Vu la souffrance que tu t'es tapé. Il fallait que ça soit parfait. Okay, donc on descend dans les profondeurs. Non, il n'est plus activé. Ça va être remplacé par autre chose. Il faut que j'y travaille, d'accord. Oula, ah oui, d'accord, il y a un autre téléporteur encore. Non mais arrêtez. Il y avait deux téléporteurs. Bon, il va bientôt falloir que j'utilise du coup. Ah si, c'est la grosse boule de pierre qu'on avait vue, mais oui. Ah ouais. Ah ouais. Ça fait quoi de t'échanger des positions là du coup? Ça va aller, Alessio, t'inquiète pas. Ah c'est marrant ça. Petit tour sur bras.
Là, je suis drôle. Faut que je travaille avec la boutique de cookies. J'ai des projets, mais faut que je les continue. Ok, donc du coup, on a échangé les positions. Excellent. Du coup, je suppose que ça, il fallait l'interchanger. Je pense qu'à mon avis, il fallait replacer le gros caillou là où il fallait. En fait, ils ont simulé du coup en fait un. Un téléporteur en fait, une zone ronde exprès. Ah ouais, mais attends, je suis en train de me dire. C'est pour ça en fait qu'on pouvait tourner la plateforme. Pour aligner en fait les positions. Donc alors attends. Ah ouais, mais je peux pas savoir. Oh! J'ai aucune idée. Oh, il n'y a aucun moyen de savoir en fait. À moins de. En fait, il faudrait qu'on retourne dans le monde normal, qu'on vérifie la position. Sachant qu'on sait que l'escalier doit être par là. On va prendre des photos. Et en fait, c'est pour ça en fait qu'on peut faire tourner la sphère. Parce qu'en fait, il faut la replacer correctement. Et après, en fait, je pense qu'il faut réinterchanger en fait les deux sphères. Comment ça c'est que t'es pas. Comment ça, gouvernement de merde? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Pourquoi vous êtes pas chill là? Ah oui, vos parents ont besoin du PC, c'est ça? Donc du coup, ouais. Là, il faudrait que je retourne dans l'autre monde. Alors après, il y a un autre truc aussi que je voulais vérifier. Donc ça, en fait, il faudrait le replacer correctement. Donc maintenant, je comprends mieux l'utilité de pouvoir tourner la boule en pierre. Et donc du coup, de ce qu'on pouvait faire. Moi qui voulais faire un reflet de rayon laser de la mort qui tue à un moment donné. En fait, pas du tout le truc, il faut juste le replacer correctement. Ah. 10 000 pages. Ah ouais, l'évaluation du stage, effectivement. Tu dois faire un rapport et tout, par exemple, de 10 000 pages. Rien que ça. Moi, j'aurais on me dit à 20 000, perso. Ah, en vrai, c'est horrible. Je peux comprendre. La frustration. Après, t'es en vacances, t'es obligé de le faire maintenant? Je comprends pas. Bon, après, c'est vrai que si c'est long, vaut mieux commencer, puis dire au moins c'est fini. Là, je vais juste checker voir ce qu'il y avait par ici. Il y avait un autre téléporteur aussi, hein, il faudra pas oublier. C'est vaste tout ça. Ok. Ah oui, bah oui, je peux comprendre. Effectivement. Quoi, c'est une porte bloquée. Ah, est-ce que c'est la porte à ce qu'il y avait de l'autre côté du coup? Viens, venons. Alessio qui n'est plus humain. Même pas une once de compassion. Bah, FNAF 3, on a un peu de temps. Hein.
Attendez, je vais juste ouvrir le chat. Bon. Eh ben écoute, bonne chance à toi, Alessio. Et puis à une prochaine. J'espère te voir encore en vie, MDR. On va se re-téléporter avec le téléporteur qui est juste à côté. Et on va essayer d'aller replacer du coup la bouboule. Et après, il faudra se retaper tout le chemin. Et voir si ça se trouve, la porte va peut-être être débloquée. Enfin, on verra un peu ce que ça fait. C'est par là. Est-ce que du coup... Je pense qu'on s'approche de l'entrée de l'arbre aussi. On doit pas être loin. Ouais, bonne chance. Je peux me rendre que ce soit dur. Moi, il faut que j'aime des trucs en plus aussi pour les cours, je viens de me dire. Que j'ai toujours pas fait. Alors que je reprends les cours dans 2 jours. Et demain, je suis en soirée. Comme ça, on est bien. Je sais pas comment je vais faire. On va improviser. Faire des claquettes. Allez.